لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, petit fait concernant numéro 1, définition Tawba. Deuxième, nous venons apprendre il y a quatre conditions qu'un du monde pour bien et n'a dans lui pour qui ce Tawba est accepté. Troisième, nous venons faire concernant Maratib. Ça veut dire ben différents degrés qui ben péché viété et à ce moment-là par rapport à ça ben péché là nous dire nous y a ben différents niveaux tauba. Maintenant aujourd'hui nous pourrions un des ben conditions qui nous dit là c'est qui un dimoni dit déterminé, c'est-à-dire pas une résolution parmi ben conditions nous dire pour lui arrête faire un certain péché. Maintenant si un dimoni qui envie n'importe qui fléau qui n'a pas une tombe de la drogue dans n'importe qui chose qui vise qui y en a ça dit mon nom, il a envie d'arrêter de faire péché. Il a envie de quitter ça, péché là pour de bon. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Donc, premier, ça dit mon nom, il a besoin, côté psychologie, il a besoin de croire qu'il est capable d'arrêter ça, quelque chose. Si un dit mon, lui-même n'est pas convaincu à l'intérieur de lui, qu'il est capable d'arrêter sa péché là, ça veut dire finalement qu'il finit faire lui-même. Il finit de mettre une limite, l'eau lit, qui lui-même n'est pas capable de sortir sa limite-là. Ça veut dire, dis-moi, comment dire, avant de commencer, il finit de faire. Donc, ça premier. Ça veut dire, côté mindset, et ça, il faut atteindre par iman, ça. Ça, quelque chose, il faut atteindre par iman. Donc, ça premier. Deuxième step. Ça premier step. Deuxième step, c'est que ça, dis-moi, il faut besoin d'une volonté, il faut besoin d'une détermination pour qui liquide ça quelque chose, c'est-à-dire il vient résolu, prend un instant qui ferme. Après ça, troisième, là là, il vient mettre tawakkul à Allah subhanahu wa taala, il demande Allah subhanahu wa taala doit. Doit, il avance beaucoup ben barrière qui, ça veut dire quand nous disons avec nous la force, nous va pas pouvoir avancer. Avec doit même Younous alayhi salam qui sorti dans un poisson, avec doit même Moussa alayhi salam qui ouvre la mer, avec doit même qui Ibrahim alayhi salam lui les films sortis depuis dans Diffé. Et maintenant, ça quelque chose qui nous veut dire là, il n'y a pas une affaire qui nous veut dire this théorie. En pratique, c'est fonctionner. L'exemple, dans Kuwait, il y a une organisation qui s'appelle Bashair al-Khair. Je suis capable de googler le nom d'intérêt, parce qu'il y a en arabe, c'est moi. Je suis désolé. Déjà, la visite va dire organisation, on va dire sur place. Donc maintenant, une organisation qui a un centre désintoxification ben drogué zis pas iman. Ça me chasse trois, c'était pour finir des éclats. Comment ben opérer? Normalement, c'est moi, ben je donne un protocole avec gouvernement. Qui, ça veut dire, quelqu'un m'a dit, un drogué, il a envie d'arrêter de droguer. Ben pour faire des pompiers en forme. Il pousse sa forme là. Premières affaires, je vous prends, je vous mets en prison pendant des semaines. Quand nous voulons dire, je vous mets en prison là, il n'y a pas de commettre aucun délit que je peux faire, ni pour un délit, non. Mais comment dire, pour sécuriser ça, l'environnement là. Ben ben, on va dire, là, je dis comme ça, pour eux, ça, des semaines-là, ça même plus déterminant. C'est-à-dire, c'est comment dire, ça dit, mon nom, pour eux, ils finissent très si travers ça, des semaines-là, pour eux, ils finissent désintoxifiés. Et au fait, le processus-là, il peut prendre des années. Dans ça, des semaines-là, à ce il peut y avoir ce docteur qui peut venir, qui vous check sur la santé, il peut y avoir un psychologue qui peut venir, il peut y avoir aussi un éducateur qui peut venir, qui peut vous dire, remonte votre morale, etc. Quand fini de là, après des semaines là, il peut rentrer dans un centre pendant des ans. Qu'il fait de là, tous les grands matins, namaz tahajjud, 5 les namaz. Lundi, jeudi, il peut garder rosa. Là, nous pouvons avoir des gens qui peuvent, comment dire, je réponds à des gens, comment dire, de base, il retourne à zéro. Parce qu'il peut redémarrer sur la vie nette là. De là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux vous remontrer ça du monde, c'est-à-dire côté qui, soit côté académique, il peut y avoir une petite classe qui les poursuivre. Il peut y avoir aussi côté din, côté, si disons du monde n'a pas connu le Coran, je peux vous montrer, lui, recommencer à zéro, alif, ba, ta, fa, etc. Là, pour permission à Allah subhanahu wa ta'ala, après des ans là, je donne maintenant, ça va depuis Kuwait pour l'Arabie, facile, je donne maintenant un Umrah Kadi. Ça veut dire pour permission à Allah ta'ala, ça veut dire comme ça, je finis par des milliers et des milliers, ben, drogués, qui porte bien mission à la sauvata, fin désintoxiqué par iman. Pas de mexine, pas de non-yen. Zis iman, c'est tout. Ça veut dire, ce qui m'a envie de dire, nous dit ni complète. Deuxième, ça dit n'a ni mort, c'est ni pas affaire, ni pas une question qui, comment dire, zis théorie, ça, quelque chose.
dans la pratique, c'est une religion qui, Mohsen, demain à la fin, qui va être conventionnelle avec elle. Subhanallah, wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.